Hey, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Bricole et Racagnac. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose de particulier sur la chaîne. Et oui, effectivement, on va faire notre tout premier unboxing. Un unboxing qui concerne du matériel que j'attends depuis un moment et qui va être grandement utile à la chaîne et surtout à la continuité du projet Honda VFR. Alors, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez le contenu, eh bien, vous n'hésitez pas, hein, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, un pouce bleu également, qui fait toujours bien plaisir. Vous n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir. Et un commentaire ou une question, vous pouvez laisser ça en dessous de la vidéo, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Bien évidemment, les caractéristiques des produits que je vais vous montrer dans cet unboxing seront listées en dessous de la vidéo comme d'habitude. Eh bien, sans plus tarder, on va y aller. Allez, c'est parti! Voilà les amis, donc on se retrouve pour un unboxing. Donc je vous avais parlé de ça dans les vidéos précédentes, comme quoi j'attendais un colis. Eh bien le colis est là, il est arrivé. Donc on va un petit peu ouvrir ensemble, regarder de quoi il s'agit, et après je vous présenterai un petit peu tout ça. Allez, c'est parti! A few moments later. Bon les amis, donc voilà, ben, je suppose que vous avez compris, hein, quand on voit un petit peu le déballage. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien voilà, donc il s'agit d'un pont moto, de 450 kg de puissance de levage, avec donc une rampe d'accès escamotable, patin de serrage pour la position de roue avant. Alors, une pédale pour la montée du cric, une pédale pour la descente, une barre de sécurité, donc on va dire une sorte de grosse goupille, hein, à venir pouvoir mettre en travers. Bien sûr, il est sur quatre grosses roulettes permettant le déplacement, mais ici, bon, ce sera pas le cas. Sauf pour le mettre dans le bon sens, parce qu'évidemment, on avait une chance sur deux de l'arriver dans le bon sens. Évidemment, il est dans le mauvais sens, dans le garage, donc il va falloir retourner. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Une hauteur de plus ou moins 80 cm de levage, une trappe d'accès pour pouvoir travailler sur la route derrière. Et alors, qu'est-ce qui est très intéressant également, c'est qu'il y a des manilles un peu partout sur le pont, qui permettent de mettre des sangles pour tenir plus facilement la moto. Voilà. Alors, ce pont, eh bien, je tiens à remercier les établissements Mateys. Donc, je vous montre. Donc, les établissements
Matthijs. Je vous ferai un plus gros plan tantôt. Établissement Matthijs qui vante tout ce qui est du gros matériel pour les garages, donc des ponts élévateurs pour auto, pour moto, tout ça. Donc voilà, donc je tenais à les remercier. Alors vous avez vu également qu'il y a deux autres caisses quand j'ai pris la photo du début. Donc c'est deux autres unboxing. Donc c'est une caisse avec une paire de chandelles 3 tonnes en fonte. Et la dernière caisse, la troisième, c'est un cric hydraulique de garage, donc cric roulant, mais surbaissé de l'avant en 2 tonnes. Donc voilà, donc ça je vous montrerai aussi par la suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'atteler au montage de la bête et essayer de la mettre dans l'autre sens sans devoir la ressortir, parce que bon, comme ça, ça fait quand même 160 et des kilos. Donc voilà, et comme je suis avec madame, c'est pas évident, donc on va essayer de monter les roulettes déjà et de voir si on sait faire demi-tour. Allez, on est parti. Vous voyez, ça tient le poids d'un bichon, donc il n'y a pas de problème, on peut mettre une moto dessus. Hein. Parce que ça, c'est un bichon de compétition, celui-là. 267 kg le bichon. Bien crados, comme vous pouvez le voir. Parce qu'évidemment, il est toujours avec le malinois, donc c'est pas un bichon d'appartement, celui-là. C'est un bichon des bois. On est déjà en train de vérifier en dessous. Curieux. A few moments later. Voilà les amis, donc le pont est monté, donc là on va faire un petit tour juste après, donc on continue le deuxième unboxing, donc c'est la boîte ici, donc on va un petit peu regarder ensemble qu'est-ce qu'on trouve dedans. Allez. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un cric. Un cric de 2 tonnes rabaissé pour plus de facilité pour passer en dessous des véhicules. Et alors vous remarquerez que avec chaque colis, à chaque fois vous avez tous les joints, toutes les pièces détachées complètes au cas où vous auriez un joint qui lâche. Bien, vous avez déjà tout dans des pochettes séparées. Ça, c'est génial. Voilà. Superbement bien emballé. Et on va sortir la bébête. Rien dedans, non. Voilà, donc superbe cric avec patin en caoutchouc, des énormes roues en fonte. Alors il est surbaissé exprès pour pouvoir passer en dessous des véhicules bas, 2 tonnes comme je vous ai dit. Et alors, il lève jusque 75 mm, donc 75 cm de hauteur. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Non, je me trompe, pardon. C'est 75 mm, donc 7,5 cm de haut lorsque le cric est vers le bas. Et il monte jusque 500 mm, donc 50 cm.
Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà. On va installer la barre. Pour ça, on va le descendre. Ce sera déjà moins lourd. Hop. Voilà, c'est du 10. Et comme je vous disais, donc il y a une pochette pour le pont et une pochette pour le cric. Donc une pochette à chaque fois de joints de rechange, tous les petits joints nécessaires, jusque aux petits joints O-ring pour le graisseur, tout est dedans. C'est vraiment superbe. Documentation. À l'origine, vous recevez la documentation qui est dans le produit, qui est en anglais. Mais dès que vous avez acheté le produit, vous donnez votre adresse mail et Matheis vous envoie directement le mode d'emploi en français dans votre boîte mail. Avec en même temps toutes les caractéristiques techniques ou quoi, et un numéro également de contact au cas où vous auriez un problème technique lors du montage ou de l'utilisation, enfin peu importe ce qui concerne votre produit quoi. Et vous pouvez prendre directement contact avec la personne et vous allez avoir un service ultra rapide. Alors moi je peux vous certifier que j'ai on m'a invité à aller regarder, enfin voir un petit peu, visiter les stocks et l'entrepôt. Je vous assure que j'ai été monstrueusement bluffé de voir un petit peu tout ce que l'on pouvait y trouver. La gamme de produits étendue, le nombre de pièces détachées pour le SAV disponibles déjà en leurs locaux. Donc c'est-à-dire que si vous avez le moindre souci d'une pièce de rechange sur l'un de leurs produits, c'est de stock chez eux. Là, il n'y a pas de souci. Et le nombre de pièces, pour vous donner une idée, par exemple, ben, ce cric-ci, il y en a 50 pièces minimum, quoi. Voilà. Donc, pour avoir une rupture de stock, je pense que, à moins d'avoir un énorme grossiste qui est venu acheter 1000 pièces, sinon, on est loin du cas, quoi. Voilà. Donc ça, je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Donc, on va descendre la bébête. Hop. Voilà. Donc je disais l'axe central. Donc ici vous avez un bras qui est molleté sur le bout. Ici vous avez de la mousse pour éviter quand on vient contre les véhicules de poqueter, on va dire, la carrosserie. C'est pas très français poqueter, mais bon, d'impacter la carrosserie. Voilà. Alors ici vous avez même un petit récipient si vous avez quelques boulons de roue à venir mettre dedans ou quoi. Donc ça c'est pas mal aussi, hein, c'est vraiment bien. Il est directement équipé d'un tampon de protection en caoutchouc, donc ça c'est vraiment génial aussi. Alors comme je vous ai dit, c'est un double piston. Alors ce qu'on fait, donc ici le bras, bien, vous détournez vers le sens anti-horlogique et ça descend le cric. Vous venez le serrer dans le sens horlogique, pas besoin de le serrer comme un fou non plus. Et voilà, vous avez le cric qui monte. Vous pouvez remarquer que il monte relativement vite. Donc ça c'est très 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 bien. Et voilà, on va arriver à une hauteur maximale. Voilà, donc 50 mm. 500 mm. 50 mm c'est pas beaucoup pour un cric. Donc 500 mm. Et voilà, ce qui vous permet à ce moment-là, quand vous avez mis votre cric, d'utiliser ceci. Donc on va ouvrir également pour le dernier unboxing. C'est quoi? C'est une paire de chandelles de 3 tonnes. Voilà. Donc, les deux têtes, la chandelle. En voilà une. Et voilà la deuxième. Comme tous les produits, vous avez toujours un
Petit explicatif. Vous me direz, pour une paire de chandelles, pas besoin d'explicatif spécial, mais bon. Donc, il y a normalement deux systèmes de sécurité. Vous avez la clavette ici, et en plus, vous avez une goupille que vous pouvez venir mettre. On va enlever les plastiques. Voilà, donc en fait, vous rehaussez vos clavettes. Voilà, donc ici, ben, ça descend plus. Et en plus de ça, vous pouvez venir mettre votre clavette comme ceci, votre goupille, pardon, comme ceci en plus. Donc ça prend, ici, je le mets à l'envers, ça assure que ça va moins bien. Voilà, donc ça prend en fait dans votre crémaillère ici. Donc vous avez cette sécurité-ci de la goupille plus la sécurité de la clavette. Donc c'est double sécurité sur la chandelle. C'est juste parfait. Donc voilà. Donc encore un grand merci aux établissements Matheis pour ce matériel de qualité. Voilà, donc une paire de chandelles, 3 tonnes, un cric 2 tonnes, double vérin, taille basse, et un pont élévateur moto de 450 kg, 70 cm de, donc 70 cm de large. C'est un des plus larges ponts moto, sinon après on passe généralement sur des ponts pour les quads. Donc 70 cm, 70 cm, c'est impeccable également, donc ce qui veut dire que les Goldwyn ou quoi, ben, il n'y a pas de souci, ça monte. Et vous avez encore largement de la place sur le pont pour vous mettre les outils que vous utilisez. Donc je vais enlever les chandelles et là je vais vous présenter un petit peu le pont. Donc les chandelles, ben, là on a fait le tour, hein, donc il n'y a rien de vraiment spécial sur les paires de chandelles. Le cric, ben, même chose, hein. Donc on descend, voilà. Alors lorsque vous achetez du nouveau matériel hydraulique, toujours l'utiliser, enfin le faire fonctionner à vide 3-4 fois pour vraiment purger votre le vérin qui s'y trouve. Donc autant un cric qu'un pont moto, enfin tout ce qui peut disposer d'un petit système hydraulique, vous le faites fonctionner 3-4 fois à fond, donc vraiment jusqu'au bout de la course du cric ou du pont. Vous le laissez comme ça un bon moment pour permettre au bulle d'air de pouvoir remonter dans l'endroit le plus haut du vérin, et après vous vidangez, donc vous faites une descente comme ceci, vous faites ça 3-4 fois et là vous êtes sûr et certain après de ne pas avoir d'air dans votre circuit. Si jamais c'était le cas qu'il y aurait de l'air quand même et que vous voyez que votre pont ou que votre cric redescend, à ce moment-là, il faut simplement ouvrir un petit peu la vis de niveau d'huile, vérifier si vous avez suffisamment d'huile dans votre vérin et retourner celui-ci dans la position verticale pour faire venir l'air dans l'endroit où se trouve votre bouchon de purge. Et comme ça, ben, lorsque vous l'ouvrez, le peu d'air qu'il va y avoir, je vais dire, est directement éjecté. Voilà, petite spécificité technique, tout simplement. Alors, on le met un petit peu en bas. Voilà. Et on va faire un petit peu le tour du pont. Voilà les amis, donc la moto est montée sur le pont, comme vous pouvez le voir. Alors, comme je n'ai pas les sangles ici à portée de main, elles sont dans le véhicule, mais madame est partie avec pour l'instant, donc je ne sais pas la sangler normalement. Donc, ce qui veut dire que normalement, la bonne position de la moto serait que la moto soit droite, donc comme ceci, que la moto soit serrée, donc avec le petit piston manuel ici, on vient serrer la roue avant.
Donc la roue va se serrer. Faites attention de bien centrer votre roue parce que sinon vous pouvez vite, si vous allez jusqu'au bout, appuyer sur vos disques de frein. Donc ceci c'est simplement une butée pour éviter que l'on passe au-dessus du pont quand on vient déposer la moto sur le pont. Alors quand vous avez bien centré votre moto sur le piston de serrage de roue, donc vous resserrez avec la petite manivelle ici. Après vous mettez donc une sangle de part et d'autre. Donc sur les œillets ici, vous avez la même chose de l'autre côté, vous en avez un là-bas et je vais même en fixer un troisième moi-même à l'arrière du pont. Comme ça, si jamais je dois fonctionner sur l'arrière d'une moto qui doit bouger ou quoi que ce soit, ben, au moins là, je suis sûr que c'est plus sécurisant. Donc à partir d'ici, ben, vous montez avec une sangle, vous attachez votre guidon gauche, bien sûr, ce côté-ci c'est le gauche. Vous faites la même chose du côté droit en ayant votre moto donc bien droite, positionnée bien droite comme ceci, et là vous n'avez aucun souci pour travailler sur la moto. Donc je vous ai expliqué, bon, moi je ne sais pas le faire ici pour l'instant, du fait que madame a les sangles avec elle. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande pédale ici. Cette pédale-ci sert à monter le pont, donc ça je vais vous le montrer. La petite pédale ici, elle sert à descendre le pont, donc vous savez la doser hein, pour faire descendre tout doucement ou plus vite. Vous avez une plaque ici qui est en dessous de la roue qui, elle, il y a la possibilité d'enlever cette plaque. Donc à ce moment-là, ben, vous utilisez votre béquille centrale quand vous êtes sur le pont et vous enlevez cette plaque, et ce qui va vous permettre de travailler sur la roue arrière de la moto. Changer de roue ou travailler sur le cardan ou sur les chaînes ou sur les pignons, enfin peu importe, mais bon, vous avez la roue arrière de libre. Voilà. Alors, cette partie-ci, c'est la partie qui permet de monter sur le pont. Elle est escamotable, donc vous savez l'enlever complètement. Ou alors, vous la laissez comme ceci, et ce qui veut dire que quand vous allez monter le pont, eh bien, elle va simplement se rabaisser juste derrière, donc ça ne gêne nullement. Alors, vous pouvez remarquer également cette barre ici, donc c'est la goupille de sécurité que l'on vient mettre juste en dessous donc, de la moto. Enfin, du pont plutôt, quand on est en train de monter le pont et que l'on veut travailler dessus. Donc je vous montre un petit peu ça. Donc on monte, donc très facile, absolument pas difficile de monter la moto. Celle-ci fait presque 300 kg, elle fait 287 kg je pense, un petit peu moins ici du fait que le carénage n'est pas dessus bien sûr. Donc, voilà, à savoir que les pédales, donc celle que je suis en train d'utiliser ici, comme celle de l'autre côté également, vous savez totalement les enlever. Donc ça vous dégage en même temps le passage. Si vous devez travailler, ben, vous n'avez pas les pédales dans les jambes. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc vous montez jusqu'au maximum. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va arrêter de monter tout seul. Voilà, toujours bien faire attention également à la hauteur maximum dont vous disposez. Voilà. Et on vient positionner cette goupille. En l'occurrence, moi je le mets donc ici au dernier endroit. Mais vous pouvez le mettre où vous voulez puisque vous avez deux endroits pour le mettre. Donc ce qui veut dire que vous pouvez travailler avec le pont plus bas. Voilà, donc là, ben, le système de sécurité, il est mis. Donc ce que vous pouvez faire, c'est descendre légèrement le pont pour venir mettre les goupilles contre. Voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez travailler à votre aise sur la moto, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Je fais le tour, je vous montre une vue d'ensemble. Voilà, donc on va se balader un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu donc ici en faisant le tour. Donc ceci, le vérin de roue, comme je vous ai dit. Voilà. Donc bien faire attention de ne pas venir serrer dans la roue. Ici, moi, c'est pas serré du tout puisque la moto est mise sur sa béquille latérale. Voilà. Alors, les deux pédales, comme je vous ai dit, on sait les enlever toutes les deux. Voilà. Donc comme ça, vous n'avez plus rien du tout dans le champ quand vous travaillez. Donc ça, c'est impératif. Enfin, impeccable plutôt. Les manilles pour vous mettre. Donc la manille ici, vous utilisez pour mettre sur votre guidon, ici.
Voilà. Alors moi j'utilise une petite cale de roue pour être sûr et certain. Pas obligatoire, mais bon. Alors, comme ceci, je vous ai expliqué, donc ça montait, hein. Donc ça remonte tout seul, en même temps que le pont. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la possibilité de travail. Alors à savoir qu'en hauteur maximum, on est à une hauteur de pont par rapport au sol de 80 cm. Donc ce qui permet largement de travailler sur un petit tabouret ou quoi. Donc vous n'êtes plus du tout obligé de vous plier en quatre pour pouvoir arriver en dessous de votre moto. Voilà, alors je vous montre un petit peu ici donc, comment ça fonctionne. Un gros vérin ici, les doubles tubulures pour les pédales. Les axes, vous voyez bien que quand vous voyez les axes et vous voyez l'épaisseur de des aciers, voilà, donc c'est chez Mateis. Voilà, à savoir également que les patins de serrage sont réglables, donc vous savez les régler selon ce que vous mettez comme moto dessus. Savoir si c'est des énormes roues à l'avant, hyper larges, comme les motos de sable Honda de je ne sais plus le nom exactement qu'ils faisaient en 90 cc, donc en 90 cm cubes, et là vous aviez des roues très très larges. Donc ça, c'est intéressant donc, de le savoir. Et ici, même chose, vous avez des regards également que vous pouvez coulisser gauche-droite. Même chose ici, vous pouvez avancer ou reculer. Ben, ceci c'est uniquement un arrêt, hein, donc c'est uniquement pour venir mettre votre roue devant quand vous montez la moto pour éviter de ben, passer au-dessus quoi en fait. Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et alors bien sûr, donc on remet les systèmes comme ceci. Voilà. On pompe un petit peu pour dégager la goupille que l'on sait retirer facilement. Voilà. N'oubliez pas non plus que ceci peut vous servir de plan de travail. Voilà. Et alors, on descend tout doucement la moto. Donc, voilà. On fait ça à son aise. Et à savoir, bien sûr, aussi que comme ça ne va pas jusqu'au bout, ben, vos pieds sont largement protégés. Puisque ici on a une hauteur plus ou moins de une vingtaine de centimètres, un petit peu moins peut-être, mais bon, que bien sûr la plaque ici rattrape largement, donc impeccable pour venir monter, ça ne gêne absolument pas. Ben voilà les amis, voilà donc le cric et les chandelles que vous avez vu tantôt. Voilà les amis, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, le premier unboxing de la chaîne, donc voilà, maintenant ben, ça va me faciliter la vie énormément par rapport au travail sur les motos. Donc si vous aimez bien cette chaîne, si vous aimez son contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez poser également un petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir. N'hésitez surtout pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Comme cela, eh bien, ça fera beaucoup plus de nombre de vues. Et comme j'avais expliqué, mon objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Alors, la petite cloche également, pour être prévenu un petit peu des nouvelles vidéos à venir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question, et je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite sur la suite du projet VFR, voire sur d'autres projets mécaniques. Salut !